Salut ma princesse. Tu vas bien? Oui, je vais bien. C'est quoi tes plans pour aujourd'hui? L'école, la maison ou encore? Je vais aller au travail. Et dans la soirée, je vais sortir avec tes gars. Nom de Dieu, arrête de me rendre jalouse, maman. Ah non, non. Ne le sois pas. Je prie pour que tu finisses tes études et enfin que tu te trouves un mari. Cette femme pense que je ne le fais pas déjà. Ok, maman. Je vais à l'école. Oh, prends soin de toi. Oui, je vais prendre bien soin de toi. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi, maman. Oui. Bye. Bye. Allô? Oh oui, comment tu vas? Je veux bien. Ok, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'amener ces livres-là demain? Ok, merci. Maman va bien, elle est aussi là. Oui. Ok, bien ma chère. Bébé. Bye. Chérie. Oui, maman. J'ai des choses à te dire. Je t'écoute. Tega et moi, nous comptons nous marier. Maman. Wow. Honnêtement, je suis heureuse pour vous. Merci. Merci, chérie. Ils viendront ici demain pour le déjeuner. Ils? Oui, ils. Je suis désolée de ne pas t'avoir dit que Tega a un très grand garçon qui a presque ton âge. Et tu me l'as caché depuis tout ce temps. Oh oui. C'est parce que tu es très curieuse. Tu allais me bombarder avec des questions. C'est pour ça que je ne t'avais rien dit. Ok. Félicitations pour vous. Merci chérie. Et maintenant, tu les verras. Oui, oui. T'inquiète, ok? Ok maman. Bonne nuit ma princesse. Allez, viens faire un bisou à maman. Oh oui. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma princesse. Bonne nuit. Merci à toi aussi. Merci. Chérie, tu as fini à cuisiner? Pas encore, maman, mais ça sera prêt dans peu de temps. Hé, maman, est-ce que tu as du vin à la maison? D'où Jésus? J'ai complètement oublié. Dans ce cas, je m'en vais vite en chercher avant qu'il n'arrive. Non, maman, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as l'honneur. Pourquoi ne pas aller là au-dessus? Pour te rendre belle pour les invités. Te dérange pas, je vais aller chercher ça. C'est très gentil, ma fille. Juste va dans la chambre, prends de l'argent et envoie ces garçons acheter du vin blanc. Ok, maman, je vais le faire maintenant. Juste, surveille pour moi la nourriture qui est au feu. T'inquiète pas, mon amour.
Maman, j'ai envoyé la sentinelle pour acheter du vin. La nourriture est prête? Oui, c'est déjà prêt. D'ailleurs, je pars déposer ça sur la table. Non, non, ne fais pas ça. Je vais t'aider à mettre la table. Pourquoi tu ne vas pas te faire belle pour les invités? D'accord, ma chérie. Fais vite et rejoins-moi. Maman! Allez, dis-moi bébé, de quoi est-ce que j'ai l'air? Maman, tu es vraiment très belle. Waouh! Tu es vraiment toute belle. Oh. J'aime ça. Sérieusement, j'aime la façon dont tu t'es habillée. S'il te plaît, chérie, pourquoi tu ne pars pas m'attendre là-bas un moment? Non, non, sérieusement, j'ai vraiment aimé. J'aime ça, tu es vraiment belle. Merci, ma fille. Je t'en prie, maman. Okoro n'est pas toujours là avec le vin? Okoro, ah, maman, je vais l'appeler. Tu dois le faire vite. Je vais le faire, maman. Tes gars et son fils vont arriver d'une minute à l'autre. On oui, y va, on y va, ma fille. Pardon. Oh, c'est Okoro. Je l'appelle maintenant, maman. Okoro, mais tu es où? Les invités de maman sont là, mais tu n'es pas aussi près de la maison. Okoro, je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça. Désolé, madame. Je suis revenu depuis où j'étais juste dehors pour... Vérifier certaines choses. Tu étais juste à côté, hein? Mais où est-ce que tu vas? Non, nos visiteurs, ils vont bientôt arriver où? Alors je suis revenu depuis, me préparant pour leur arrivée. Et je vais leur montrer ce vin pour voir s'ils vont l'aimer. Tu as quoi? Le vin. Okoro, es-tu malade? Juste, donne-moi ça. Bénis-toi Dieu, je suis de bonne humeur aujourd'hui. J'allais te donner vraiment une très bonne punition. Aïe, et tu allais savoir. Aïe. Bébé, c'est souple. Et tes doigts sont sexy. Sexy yeux, sexy visage. Tout sur toi est sexy. Chérie, pourquoi est-ce que tu as traîné? Oh, il a finalement apporté le vin? Oui, maman, c'est ça, non? Maman, cet Okoro m'énerve vraiment. Si j'arrive à supporter cet individu, c'est juste à cause de toi, maman. Chérie, s'il te plaît, ne lui donne pas le plaisir de gâcher ta joie. Et surtout un jour comme celle-ci, s'il te plaît. Oui, tu as raison, maman. Est-ce que tu as appelé Monsieur Atega? Oui, je l'ai fait. Ils sont en route. Oh, je ne peux même pas me contenir. Chérie, pourquoi tu ne pars pas dans la chambre t'échanger de tenue et mettre quelque chose de très joli? Ok. N'oublie pas de mettre le vin sur la table. Oui, je vais le faire, maman. Merci, ma chérie. Ok, maman, prends ce merci. Coup. C'est tu bon. Tu sais déjà que je t'aime. Thank you.
Chérie? Nat? Oui, maman. Ah, ils sont arrivés. Tu es sérieuse, maman? Oui. Comment je suis? Oh, ma chérie, tu es très belle. Tu es sûre? Ça te va, ma chérie. Va vite leur ouvrir la porte. Bien, Roy. Monsieur. Je te présente ma femme, ta belle-mère. Oui. Waouh, ravi de vous rencontrer. Tous les plaisirs est pour moi, mon fils. Et bien sûr, tu l'as déjà rencontrée, c'est ta sœur. Ma sœur. Oui. Oui. Waouh. Elle, c'est ma fille, elle s'appelle Natacha. Waouh, waouh. Tu es belle. Oui. Merci. Alors, comment s'appelle la princesse? C'est parce que tu as parlé avec maman. Oui, bien sûr, mais je veux écouter ça de toi-même. Natacha. Natacha. Natacha, oui. Pouvons-nous passer directement à table? Bien sûr, j'ai faim. Oui, ok. J'ai faim. Merci. Bail comme ça, idiot, à cause de la faim. Hein? Il y a la faim, oh, ne mangez pas tout, je suis là. Il y a la faim, oh, ne mangez pas tout, je suis aussi là. Aïe! Ces gens sont méchants, oh. Comment est-ce que quelqu'un commencerait ici depuis le matin, sans nourriture, sans manger? Hein? Ils ne veulent pas me donner à manger. Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai offensé les dieux, qu'ils viennent me supplier directement, hey! Me dit leur problème. S'il faut que j'aille tuer un lézard pour régler ce problème, je vais le tuer. Pourquoi amener quelqu'un disant que c'est le fils du mari de madame et vous allez me laisser affamer? Regardez-moi, c'est comme ça que j'étais avant. Pardon, ne me tuez pas avec la faim. Oh. Les portiers ne reçoivent pas les pensions de retraite. Oh. La nourriture que je mange maintenant est ma pension. C'est de mes salaires que je vais épargner après mes 35 ans de travail de portier. Pourquoi me garder jusqu'à maintenant, moi, au Koro premier? Au Koro premier, sans manger. En tout cas, tout plan de me faire mourir de faim ne prospérera pas. Permanente n'est pas ma condition. Je vais aller laver la voiture du patron d'abord. Peut-être de là, je pourrai bourrer mon ventre parce que, quelquefois, patron laisse des gâteaux dans la voiture. Oh. Il a la faim, oh! Quand vous mangez, souvenez-vous des autres. Il y a un homme appelé Okoro. Il a aussi faim, mais il va laver la voiture. Oh. Peut-être de là, il pourra bourrer son ventre. Oh! Ça, c'est vraiment délicieux.
C'est ma petite Française qui a préparé. Elle a tout fait. Je suis contente que vous aimez ça. T'es une bonne cuisinière. Merci beaucoup. Chérie, je crois qu'il est temps qu'on leur parle de notre projet de mariage. Oh oui, oui, tu as raison. Attendez, projet de mariage? Père, tu te moques de moi? Oh, d'accord, attendez. Est-ce que ça se passe dans ou en dehors du pays? Tu viens, père. Attends, je te connais. Je sais. Tu es un homme d'Indonésie, tu aimes aller te relaxer là-bas. Tu es un homme de Dubaï, tu es un homme de Londres, des États-Unis. Où est-ce que cela aura lieu? Fais-nous savoir. Fils. Non, ce mariage aura lieu à Lagos. Nous devons travailler. Oh, mon Dieu, ça sera ennuyeux. Je veux dire, où à Lagos? Au bord de la lagune, à la plage, où exactement? Mais retiens une chose, la lune de miel se passera à l'étranger. Mais non, tu parles. Mais c'est quoi cette histoire de Lagos? Mais... Ok, j'ai fini. Je dois faire visiter Roy la maison. Je mange. Est-ce qu'on peut pas partir? Mais je mange. Allons-y. Voilà, on ne veut même pas me laisser manger. Maman, on est dehors. Viens. Ok. Laisse ça. Désolé, père. Amusez-vous. C'est délicieux, c'est pourquoi viens je ici. Peux... Tu manges beaucoup. Vraiment. C'est un grand garçon. Alors... je pense... Je pense que j'ai assez mangé. T'es gars. Allez. Mais c'était merveilleux. Merci. Viens. Oui. Je peux en manger comme ça tous les jours. Ça va, oh. Vraiment. Moi, je suis au portail. Je vous salue, oh. Oui. En tout cas, comment vas-tu? Dieu merci, Gégé. Qu'est-ce que l'on peut faire? Je fais de mon mieux. Bien, comment t'appelles-tu? Comment je m'appelle? J'aime ton accent. Continue. Okoro Wanda. Oh, Okoro. Bien. Okoro. Son nom est Okoro. Super. Tu sais, ce gars est très comique. Quand nous sommes arrivés, papa et moi, je lui demandais s'il est le boy de maison. Et voilà, il a piqué une crise et commencé par dire des choses. C'est pas garçon de maison. Ne répète plus ce mot. Appelle-moi l'homme de maison. Regarde-moi bien. Comment tu m'appelles garçon de maison? Oh, tu es l'homme de maison. Oui, c'est ce que je suis. Tu sais quoi? Cet homme était beaucoup plus flexible jusqu'à ce qu'on l'emploie. D'accord. J'espère que tu ne nous causeras pas de problème quand nous aménagerons définitivement ici. Non. Aussi longtemps que vous gardez votre ligne, vous n'aurez pas de problème. Hein? Aussi longtemps que vous ne me créez pas d'ennui et vous m'obéissez, vous n'aurez pas aussi de problème. Quand on donne des problèmes, on reçoit des problèmes. Vous comprenez? Je le crois aussi. Jeune fille, attends. Quand quelqu'un a faim, vous ne savez pas? Vous ne savez pas que quand on ne mange pas vite, on meurt? Je n'ai pas encore mangé. Et on me donne encore de la voiture à laver, malgré ça. Est-ce que tu sais ce que t'attends à la cuisine? Excuse-moi, tonton. Tu l'espérais de te faire la cuisine? Tu n'as pas de réchaud, quelque chose comme réchaud gaz dans ton appartement? Tu l'espérais de te faire la cuisine? C'est ce que tu veux dire? Aïe! Ah, j'ai hurlé, ne sois pas fâché. Qui doit cuisiner? C'est moi qui dois cuisiner. J'ai dédié toute ma vie à votre famille. Donc, en réalité, j'ai le droit de manger n'importe quand je veux. Je suis fatiguée d'écouter tous ces blabla. Je vais te faire... Tu dois vraiment faire attention. Faire attention. Ton père! Oh! Attends, tu dis quoi? Non, je voulais dire... Tu dis quoi? Non, attends, excuse... Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, je voulais dire que tu es beau comme ton père. Allons-y, laisse-moi te faire visiter la maison. On le laisse seul. Ne t'en fais pas, c'est un petit problème. On va s'en occuper, ok? J'en suis très sûr. Oui. Ça dépend juste de la manière dont nous allons coopérer avec eux. Et voilà, le reste sera naturel. Oh, te voilà. Je t'attendais pour qu'on parte. Oh, pas si vite. Oh, chérie, ne sois pas pressé. Dans très peu de temps, ils viendront vivre ici avec nous. Tu le verras tout le jour. Oui. Ok, très heureuse de faire votre connaissance. Ça c'est merveilleux, d'accord. Petite sœur,
Ok, je ne suis pas un enfant. Papa, tu as entendu ce qu'elle a dit? Bien sûr que j'ai entendu. Bien. J'ai besoin de ton numéro afin que je sois en contact avec toi. Alors, comme ça, tu vas m'appeler? T'inquiète, je vais t'appeler bientôt. C'est comme ton numéro dépasse les nombres. Non, ce n'est pas bon. Es-tu sûr? 9, oui. 10, 11. Hey! D'accord. Oh, allons-y. Appelle-moi une fois que tu seras à la maison. Bien sûr, tu sais que je le ferai. D'accord, bébé. Je le ferai. Ok. Merci. Hey. Ouais, à plus. Attends, en fait, tu es sérieuse? En fait, tu es sérieuse ou tu blagues? Non, rien du tout. Je suis sérieuse. Tu n'as rien dit? Rien du tout. D'accord, pas de problème. Bye, à plus. Hé, hey, dépêche-toi. Roy. Oh, oh, père, une minute. Désolé, qu'est-ce que tu as dit? Appelle-moi dès que tu arrives à la D'accord, je le ferai, princesse. Princesse? Ouais. Au revoir, chérie. Il est temps de partir. Au revoir, Roy. Oh. Prenez soin de vous. Oui. Petite madame, s'il te plaît. S'il te plaît, ne sois pas fâchée pour cette question que je vais te poser. Ne sois pas fâchée. Je vais poser la question avec la lèvre inférieure, pas avec la lèvre supérieure. Ne sois pas fâchée. S'il te plaît, ce sexy singe, je veux dire, ce beau singe, beau garçon. Okoro, en quoi cela te concerne? Je t'avais déjà pas interdit de te mêler des histoires des autres. Mais, aîné, ne sois pas fâchée. Pour une autre encore. Qu'y a-t-il entre mes et mon nez? Mon nez n'est dans aucun mais. Regarde mon nez ici. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Je suis en train de perdre mon temps à te parler ici. Je m'en vais. Aïe! C'est quel genre de vie ça? Je ne suis pas aussi l'enfant de quelqu'un. Je suis un bon à rien. Je ne sais pas pourquoi vous me traitez comme ça. Je suis un sorcier qui n'a pas les ailes. Okoro! Okoro! Mais il est où cet homme? Ah! Petite madame, j'ai entendu mon nom de ta bouche. Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Eh, mais j'ai entendu mon nom de ta bouche. Mais je t'ai appelé toi, non? Où sont les habits que je t'avais donnés pour repasser? Vêtements! Aïe! Ma tête, pourquoi où? Je t'ai dit de formater ce mémoire. Formate-le. Parce qu'il y a beaucoup de choses, tu vois. J'ai oublié. Tu as oublié parce quoi? Parce que ma tête est trop bourrée, ce n'est pas formaté. J'ai oublié de repasser les habits. J'ai oublié. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Les habits que je voulais préparer pour maman. Tu as oublié ça. Okoro, va maintenant. Va les préparer et amène-les ici. Maintenant. Que j'aille? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Comment tu me vois ici? Donne-moi juste une minute, Hein? Une minute. Je vais apparaître là-bas comme un sorcier et réapparaître comme un Gbanje. Alors Roy? Mais t'es où comme ça? Ok, mon Dieu, tu es là déjà? Je viens bientôt, ok? Dis à maman que je serai là dans peu de temps.
C'est bon. Ok, laisse-moi faire vite maintenant. Bye. Prends. Voici les vêtements. Tu imagines? Les habits que tu as repassés comme ça. Je n'ai pas le temps pour toi. Tu sais... Mais je te préviens d'une chose. Regardez-moi. La prochaine fois, je ne vais plus repasser. Quand je vais dormir, je vais en faire un coussin. Ce sera ça le repassage. Je vais à mon poste. Regarde-moi ça. Regarde-toi. Comment ça va? La mariée, maman. Oui, ma fille. Je peux voir ça, maman. C'est vrai. Oh, réjouissons-nous. Oui, je t'adore, mon ça gars. Ça va bien? Je suis très content de vous voir, madame. Hey, tout le monde. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Ouais. Ouais, c'est merveilleux. Tu es allé loin d'ici? Va loin d'ici. D'accord. D'accord. Donc, ce qui va se passer maintenant, assure-toi que, entre toi et moi, tu vas me traiter comme ton grand frère et je vais te traiter comme ma petite sœur. Ok, grand frère. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Je l'accepte. Ouais, c'est ça. Réjouissons-nous. Ouais, prenez soin de vous. Ouais. Ouais. Allons-y, allons-y, allons-y. On y va, on y va. Allez. Mais qu'est-ce qui se passe avec celui-ci? Hé, hey, quitte-la. Rassure-moi que tu t'es réjoui. Qu'est-ce qui va ouvrir la porte pour nous? Maintenant, célébrons. Vous êtes prêts? Père, je pense que tu es heureux. Oui, je suis content. Très content même. Tout le monde est heureux, n'est-ce pas, maman? Oui, Roy. Très bien. D'accord. Soyez prêts, soyez prêts. Je peux... Oui, bien sûr. D'accord. Wow! Voilà. Maintenant, je veux que tout le monde se lève. Pour cette occasion, il est temps de célébrer. Oui. Donc maintenant, nous allons porter un toast. Oui. Un tis. Longue vie. Prospérité, richesse,
L'argent, 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 l'argent. Tous les gars. Amen. Ouais, ouais. Tous. Merci, chérie. Un de ces jours fera comme eux. Ouais, d'accord. Mais on n'a pas échangé avec eux. Échangeons avec eux. On l'a fait. Échangeons avec eux. Ouais. En tout cas, je suis très content. Ouais, faisons un bon pour eux. Je suis un homme chanceux. Ouais. Et le plus heureux en ce moment. Oh. Je te dis vraiment. Alors. Bien. Si jamais quelqu'un veut manger, n'oubliez pas qu'il y a plein de nourriture là-bas. Bien. Chérie, oui. Tu ne parles pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas contente? As-tu faim? Oh maman, je suis heureuse. Mais pourquoi tu t'es plainte? Mais c'est parce que tu ne parles pas. Je suis un peu fatiguée. Tu sais que j'ai beaucoup dansé, non? Je suis sûre que tu ne peux pas avoir faim maintenant. Parce que tu venais à peine de manger quelque chose là. Je vous regarde. Je t'ai surveillé, chérie. Oh, mais allez, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es jalouse? Es-tu ne les regarde pas. Mais j'espère que tu ne penses pas rentrer si tôt. Hein? Ah non. N'y pense même pas. Le prochain sur la liste. Ouais, en fait, je suis le prochain sur la liste. Eux, ils doivent attendre encore pour 5 ans. Ouais. Oui, oui, oui. Jalouse. Laisse-moi. Je ne veux pas, laisse-moi. Laisse-moi. Ouais, c'est moi. Es-tu sûr? Il est juste question que j'en prenne un autre. Tu ne trouves pas? Il en faudra encore et encore. J'aurais dû te retrouver quelques années plus tôt. Oh, vraiment? C'est ce que tu m'as dit? Regarde. Très bien. Écoute-les, chérie. Réveille-toi. Chérie. Chérie. Tiens donc, réveille-toi, il est temps. Le petit-déj. Bonjour, chérie. Bonjour, bébé. Tiens donc, debout, prends ton petit-déjeuner. Wow. Tu as déjà fait le déjeuner? Oui. C'est très gentil. Ok. Ah. Merci. Tu ne pouvais pas m'aider. Je l'ai fait justement pour te montrer que je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Tu n'as pas apporté la serviette? Ah, ok. J'en ai pour une minute. Ah. Mange. Okay. J'arrive, ok? Oui. Regarde qui est là, comment vas-tu? Je vais bien. Hey, regarde-toi. Tu sais faire la vaisselle? Bien sûr, je fais la vaisselle. Et tu as fait le petit-déj avant que je ne me réveille. Est-ce que tu as toujours été aussi attentionné? Comment vais-je faire semblant? Allez, écoute-moi. Écoute,
C'est inné à moi. C'est ce que je fais. Je suis né pour faire ça et d'autres, c'est tout. Alors ta petite amie doit être gâtée. Mais là, écoute-moi. Quand on veut parler de l'histoire de petite amie avec moi, je la gâte très facilement. Très facilement. En tout cas, ne parlons pas de moi. Comment va Richie? Bon, Richie va très bien. Mmh. Et voilà. Il se porte sa merveille. Oui. Bien, je ferai tout ça aussi longtemps que tu danseras avec moi sur une piste. Merci, mon amour. Attends, pensons-y. Est-ce que ta mère est au courant? Celle-là. Elle ne sait absolument rien. Elle ne sait pas. Es-tu sérieuse? Je suis sérieuse. Elle n'en a aucune idée. Tu es si prétentieuse? Non, dis-moi, attends. Ok, des fois je lui parle de ça, oui. S'il te plaît, je m'en vais dans ma chambre. D'accord. Merci, chérie. Est-ce que ça va maintenant? Oui, okay, ça va. Ok, bien. De l'autre côté aussi. Oh, même ici. Très bien. Merci. Ok. Très bien. Chérie. Ok. Merci, mon amour. Oh oui. Merci, chérie. Ah. C'est qui? Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour, ma princesse. Bonjour, chérie. Comment tu vas? Je vais bien. Et comment était ta nuit? Ma nuit était bonne. Bien, bien. Oh, oui, maman. Oui. Est-ce que je peux te parler de... Vas-y, parle, ma princesse. Où est-ce que vous allez passer votre lune de miel? Ça sera où? Bien, nous avons décidé d'aller... Dubaï. À Dubaï. Oui, Dubaï. Et nous partons pour la semaine prochaine. Dubaï? Oui, Dubaï. Ouais, bien, un bon choix. Très bien. Ok, réjouissez-vous. Ok. Je serai dans ma chambre. D'accord. Princesse? Oui, maman. Tu ne vas pas aller au cours aujourd'hui? Non, maman, pas aujourd'hui. Ouais. Ok, d'accord. Réjouissez-vous, je serai dans ma chambre. Ok, d'accord. Chérie, elle est très curieuse. Elle aime tout contrôler. Ouais. Et elle est aussi belle. Oui, je sais. Elle est très belle. Je sais. Je sais. Justement maintenant. Est-ce que tu m'as entendu t'appeler? Okoro, passe ici et fais sortir cette chose que tu as dans la poche. Madame, ça me va ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous m'avez demandé. Vous ne m'avez pas donné des pneus pour rouler. Ou bien, j'ai volé pour arriver. J'étais un sorcier avant. Pendant que tu t'adresses à moi, il faut enlever ta main dans la poche. Cette main? C'est moi qui paye ton salaire, alors un minimum de respect. Enlève cette main dans la poche. Sors de ma poche. Toute la maison est devenue un bazar, maman. Tu dormais calmement et la maison est devenue un bazar. Moi, merde, chier. Craignez Dieu. Je n'ai pas chié il y a 3 jours. Je n'ai pas chié. Si je chie dans la maison, pouvez-vous rester ici? Petite sorcière. Peux-tu fermer ta sale bouche? Comment peux-tu appeler ma fille sorcière? Ça ne va pas dans ta tête? Madame, sois pas fâchée. C'est pas ce que je voulais dire. Est-ce qu'elle est sorcière même? Non. Je ne suis pas fâchée. Tu es un idiot. Écoute, laisse-moi te dire. Ni t'étais à cause de mon frère. J'allais te virer depuis très longtemps. C'est bien. Parce que tu n'es pas utile dans cette parcelle. Tout ce que tu sais faire, c'est parler. Tcha, comme un perroquet. C'est pas pour ça que je t'ai engagé. Renvoie-le. Virer, s'il te plaît, madame. Je n'aime pas le mot là. S'il te plaît, madame. Madame, s'il te plaît, elle n'est pas sorcière. Elle n'est pas sorcière, s'il te plaît. N'utilise plus ce mot. Ferme-moi cette sale bouche. Et laisse-moi tranquille. Pars d'ici. Je veux que tu viennes nettoyer partout ici au salon. Ah, c'est ça. Dans la cuisine, dans la toilette, la douche, et voire même dehors, bien qu'il s'est fait tard. Tu iras arranger aussi là-bas dehors.
Maintenant, dégage d'ici. Va-t'en. Va faire ton boulot. Dégage d'ici, va faire ses boulots. Va-t'en. Je vais partir. Vous m'avez appelé et je vais toujours repartir. Mais s'il vous plaît, je vais dire quelque chose. Vous m'avez amené dans cette maison en m'employant comme gardien de portail. Grand agent de sécurité, général portier. Ce n'est pas pour être nettoyeur de maison, mais je n'ai pas le choix. Étant donné que vous allez revoir mon salaire, mon esprit est tranquille. Mais souvenez-vous que je ne suis pas sorcier. Même sorcier, papa, on l'a mis au monde. Va vite nettoyer, dégage d'ici. Madame, va-t'en d'ici. Si je ne le dis pas, je vais tomber malade. Laisse-moi dire ce qu'il y a dans mon esprit, madame. Laisse-moi parler. Sinon, tu vas tomber malade. Ferme vite cette saleté et dégage d'ici. Même si je pars, il faut savoir que on ne m'a pas craché. On ne m'a pas vomi. Je ne suis pas tombé. On m'a mis au monde. Sachez-le. C'est parce que je crains Dieu. C'est parce que je sers Dieu. C'est pourquoi je tolère tout ceci. C'est pourquoi je vous pardonne. Juste va-t'en pas. D'ici. Va-t'en d'ici. Va arranger la cuisine et ensuite tu viendras au salon. Tu dois faire rayonner toute la parcelle. C'est quelqu'un qui m'a mis au monde. C'est quelqu'un qui m'a mis au monde. Sachez comment me parler. Je ne suis pas un crachat. On ne m'a pas vomi. C'est quelqu'un qui m'a mis au monde. Tu continues toujours à parler? Non, je ne parle pas, madame. Je tousse. Oh, un stupide garçon qui ne sait rien faire. Regarde, c'est lui qui n'est pas un humain. À son âge, regarde un peu le ventre qu'il a. Hein? Je ne sais pas pourquoi mon frère m'a amené tout pareil à la maison. Comme portier. Tout ce qu'il sait faire, c'est rester devant la porte, danser et rien d'autre. Désormais, il va commencer à nettoyer cette maison. S'il ne le fait pas, il n'y aura pas à manger pour lui, Natacha. Il n'aura pas droit à la moufrée, c'est ce que je t'ai dit, Natacha. Toute la maison est devenue un bazar, maman. Tu dormais calmement et la maison est devenue un bazar. Moi, merde, chier. Craignez Dieu. Je n'ai pas chié il y a 3 jours. Je n'ai pas chié. Si je chie dans la maison, pouvez-vous rester ici? Petite sorcière. Veux-tu fermer ta sale bouche? Comment peux-tu appeler ma fille sorcière? Ça ne va pas dans ta tête? Madame, sois pas fâchée. C'est pas ce que je voulais dire. Est-ce qu'elle est sorcière même? Non. Je ne suis pas fâché. Tu es un idiot. Écoute, laisse-moi te dire. Ni t'étais à cause de mon frère. J'allais te virer depuis très longtemps. C'est bien. Parce que tu n'es pas utile dans cette parcelle. Tout ce que tu sais faire, c'est parler. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Comme un perroquet. C'est pas pour ça que je t'ai engagé. Renvoie-le. Virer, s'il te plaît, madame. Je n'aime pas le mot là. S'il te plaît, madame. Madame, s'il te plaît, elle n'est pas sorcière. Elle n'est pas sorcière, s'il te plaît. Elle n'utilise plus ce mot. Ferme-moi cette sale bouche. Et laisse-moi tranquille. D'ici. Je veux que tu viennes nettoyer partout ici au salon, dans la cuisine, dans la toilette, la douche, et voire même dehors, bien qu'il s'est fait tard. Tu iras arranger aussi là-bas dehors. Maintenant, dégage d'ici. Va-t'en. Va faire ton boulot. Dégage d'ici, va faire ses boulots. Va-t'en. Je vais partir. Vous m'avez appelé et je vais toujours repartir. Mais s'il vous plaît, je vais dire quelque chose. Vous m'avez amené dans cette maison en m'employant comme gardien de portail. Grand agent de sécurité, général portier. Ce n'est pas pour être nettoyeur de maison, mais je n'ai pas le choix. Étant donné que vous allez revoir mon salaire, mon esprit est tranquille. Mais souvenez-vous que je ne suis pas sorcier. Même sorcier, papa. On l'a mis au monde. Va vite nettoyer, dégage d'ici. Madame. Va-t'en d'ici. Si je ne le dis pas, je vais tomber malade. Laisse-moi dire ce qu'il y a dans mon esprit, madame. Laisse-moi parler. Sinon, tu vas tomber malade. Ferme-moi vite cette saleté et dégage d'ici. Même si je pars, il faut savoir que on ne m'a pas craché. On ne m'a pas vomi. Je ne suis pas tombé. On m'a mis au monde. Sachez-le. C'est parce que je crains Dieu. C'est parce que je sers Dieu. C'est pourquoi je tolère tout ceci. C'est pourquoi je vous pardonne. Juste va-t'en pas. D'ici. Va-t'en d'ici. Va arranger la cuisine et ensuite tu viendras au salon. Tu dois faire rayonner toute la parcelle. C'est quelqu'un qui m'a mis au monde. C'est quelqu'un qui m'a mis au monde. Sachez comment me parler. Je ne suis pas un crachat. On ne m'a pas vomi. C'est quelqu'un qui m'a mis au monde. Tu continues toujours à parler? Non, je ne parle pas, madame. Je tousse. Oh, un stupide garçon qui ne sait rien faire. Regarde. C'est lui qui n'est pas un humain. À son âge, regarde un peu le ventre qu'il a. Je ne sais pas pourquoi mon frère m'a amené tout pareil à la maison. Comme portier.
Tout ce qu'il sait faire, c'est rester devant la porte, danser et rien d'autre. Désormais, il va commencer à nettoyer cette maison. S'il ne le fait pas, il n'y aura pas à manger pour lui, Natacha. Il n'aura pas droit à la bouffe fraîche, c'est ce que je t'ai dit, Natacha. Every night in my dream, when I go see you, when I go feel you, love is so, but I know you, make you the gold. I far across the distance, no spaces, good day between us, you have come. So show me, make you the go. I love this song. I love this song. Maria Carey, my good song. I love it. Hi. This work, they give me work, they give me work, they give me work. So they forget man. So cleaner, for cleaner. I will go work for the department for the house. Are you a cleaner? Hey, I am a cleaner. In the name of this thing, I am a cleaner. Go clean like this. When I sleep in here, I go take this to go clean the TV. Why don't I make the rubble? No, not wrong stuff. You turn it. Why don't I make the struggle with the rubble? We try to order fancy. Rubbing up the good thing, no, eh? All those boys with their handset, all those girls with their handbag, we love you. We love you. We want to thank you. Thank you! Again, when I made the struggle with the rubble, we try to understand, say, rubbing a good thing. When I made the struggle with the rubble, we try to understand, say, rubbing up the good thing. All those boys with their handset, all those girls with their handbag, we love you. We love you. We want to thank you. Thank you. I go clean this place. 5 hours. I go clear. Oh God, go somewhere go get where do feel like? But where the lake line? Come my snake. Cut this big man wants dog get money. They know get sense again. Where have they caught rat? Come here, come here, come. God, make a dog get money. Oh, God, I won't get sense. God, don't give me money. Give me sense. Idiot. What are you talking about? Spirit, what is happening? Who are you? Come on! Bandi, I want that money. Ask! How many years are you in this body? What do you say? 60! Do you pass to my grandfather? And what is 60? Ask! When I talk to the way good, not at all, because I'm not going to be bad work on my toe. Give me money, God. Don't give me sense. If you go get money, I don't go get sense. Now see, bad it all. Don't make me just spend the money anyhow. What bit are you?
International. T'inquiète pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je fais juste quelque chose du genre. Qu'est-ce que tu en sais à propos de mes préférences? Regarde-toi, tu es magnifique. Tu sais ça? La belle dame demande de savoir ce que je fais. Merci pour cette jolie demoiselle. Qu'est-ce que tu fais en réalité? D'accord. Je fais quelque chose. J'essaie de préparer ma boisson. Ce genre de boisson qui peut me mettre en rage. Au lit, bien sûr, comme tu le sais. Oh, vraiment? Ouais. Je peux goûter? Bien. Tu veux un peu? Tu veux vraiment? Je vais essayer. Bien. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si quelque chose t'arrive, tu es responsable. Ne m'accuse pas si quelque chose se passe en bas. Comme quoi? D'accord. C'est vraiment fort. D'accord. Voici le médicament du docteur Roy. T'es devenu docteur maintenant? Ne m'accuse pas si quelque chose se passe en bas. Prends ça. Mon ami, prends ça, non? Attends. Ok. Wow. Je ne savais pas que c'était comme ça. Laisse-moi ajouter encore... Attends. En fait, ce n'est pas amer. Pourquoi pas? Ouais, je sais. Laisse-moi terminer le reste. Eh bien, en fait, ce n'est pas amer, n'est-ce pas? Quand est-ce que ton invité arrive? Dis-moi, peut-être... Dans 10 minutes. J'ai pensé à ça une fois. Tout? Mais... Ça va. Hé, toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, est-ce que tu te rappelles que tu es ma jeune sœur? As-tu oublié? Pardon. As-tu oublié? As-tu oublié? Arrête ça. Arrête. Attends, j'ai entendu qu'on frappait. Est-ce que je sais même? Attends, je vais aller vérifier. Viens. Dis-moi. Ouais, Kayo. Hey, Okoro. Patron. Voici les clés de la voiture. C'est toi. Laisse-moi juste. Tu sais, je vais me rendre à la cuisine. Attends. Non, je. Calme-toi. Attends. Un grand imbécile.
Encore, je me plains pour toi. C'est ce qui se passe dans cette maison. Attendez. Donc, Ogaroy, tiens-toi là-bas. Ogaroy, donc ton corps n'est pas tranquille quand tu es avec la fille là, dans le salon là-bas. Non, moi je n'ai rien vu. Oh. Tu n'as rien vu. Et tes oreilles sont ouvertes, tes yeux écarquillés et tu regardes partout. Qu'est-ce qui m'arrive au juste? Donc, Ogaroy, tel que ton corps bouge là, si quelque chose se tient debout là à partir de ta tête, et de là va passer, va descendre là-bas à cause de la fille là. Je ne vais pas accepter. Je vais vous déranger. Aussi longtemps que ça me concerne, je ne vais vous laisser faire aucune connerie dans cette maison. Je vous dis. Je vous le dis. Donc, c'est pour ça que tu es venu dans cette maison pour faire la fille là quelque chose. Ok, sa femme a voyagé, vous ont laissé dans cette maison. Donc, c'est un risque. Donc, c'est très dangereux. C'est dangereux et risqué de laisser vous deux ensemble. Ça ne va pas se passer. Donc tu es là-bas maintenant, ton corps gesticule comme ça. Et la fille aussi tourne, s'arrange comme ça. Vous pensez que vous allez faire quelque chose tant que je suis là? Même dans mon rêve, je vais vous poursuivre. Je vais m'assurer que je vous sépare. Ce que le diable a uni, c'est Okoro qui a séparé. Aïe! Il touche la fille comme ça. La fille aussi fait comme ça. Moi, j'étais dans mon corps regardant comme ça, ne sachant pas que c'est ce plan que vous avez. Je vais détruire ça. Je vous soupçonne. J'arrive, j'ouvre le portail. Je suis en train de réfléchir. J'ai réfléchi. J'ai dit que j'arrive, non, j'arrive. Maman m'a dit de venir nettoyer. Ou bien tu ne sais pas. Okoro, arrête de chanter. J'ai entendu. Arrête de murmurer. Petite madame, ne sois pas fâchée. Il y a un homme dans mon village. Hein? Il a cet homme. L'homme peut marcher. J'ai une fois vu les anciens vélos là qui font même peur les enfants. L'homme ressemble à ce vélo là. Si tu vois l'homme, hein, tu vas pleurer. Oh. Le nom de l'homme, c'est Agbara. Son père s'appelle Okonta. Son grand-père s'appelle Ogire. Son arrière-grand-père s'appelle... Je ne suis pas du tout intéressée avec tes histoires stupides. Ouais. Salut Ella. Comment vas-tu? Mais comment ça va? Je t'attends ici depuis 2 heures. Et demi. Ouais, mais non. Allez, mais je t'attends. D'accord, s'il te plaît, viens, s'il te plaît. J'ai hâte de te voir, s'il te plaît, viens vite. Hein? D'accord, ça va, je t'attends. Je t'aime. Prends soin. Est-ce qu'elle vient? Selon elle, oui, elle arrive. Richard ne répond pas à mes appels. Vraiment?
Je vois. Tu es un imbécile intelligent. Un alphabète social. Qu'on ne requiert de sens. N'importe quoi. Si vous me frustrez, je vais vous baptiser avec la frustration. N'importe quoi. Un jour viendra. Je vais devenir votre homme de maison, hein. On va voir ce qui va se passer. Cette table est large. Wow! Une simple table centrale. Pourquoi le patron va aller acheter une telle table? Un plat à sable. C'est pas que c'est un idiot. C'est pas que je ne connais pas. C'est un plat à sable. Les cornes d'un animal. C'est ce que tu as pris pour table. Ceux qui ont de l'argent, ils ne font qu'acheter n'importe quoi. Des choses qui n'ont même pas de sens. Un jour, vous allez apporter du serpent à la maison à cause de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Je suis même confus. Je vais aller revenir. Regardez. C'est l'argent, ça. Oh, mon Dieu. Bien. Il y a quoi dans ton visage? Attends. Comme quoi? Non, il y a quelque chose ici. Ah, c'est quoi? Allez, tu as peur? Allez, laisse-moi. Je ne le suis pas, pas du tout. Allez, laisse-moi mais te quoi? Montrer. Laisse-moi te montrer. Dis ce que tu veux. Je suis venu pour vous dire que j'ai fini de nettoyer le salon. Si tu ne nettoies pas, mais pourquoi? Tu ne pars pas d'ici. Que je parte? Non, ne pars pas. Reste là. Tu l'as entendu, s'il te plaît. Vas-y. Je veux aussi rester pour qu'on puisse avoir de petites causeries, non? Un peu de causeries. C'est pourquoi je n'aime pas travailler à la maison. Honnêtement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je ne sais pas. Juste pense à une chose, je veux dire... Donc? Oui. Alors c'est quoi l'option maintenant? Je vais aller te chercher de la salade. Qu'en est-il de ça? J'aime pas la salade. Qu'est-ce que tu veux? De la glace. De la glace. Mm-hmm. J'ai besoin de pondre de la glace, tu sais. Tu ne vas pas ajouter du poids? Non, je suis correcte. D'accord, alors où est-ce qu'on peut trouver ça maintenant? Oh, je me rappelle, de l'autre côté du quartier. Ok, bien, j'aime l'air glace. Allez, on y va. Mais comment tu sais? Non, je vais te gâter avec ça. Bien sûr. Retour. Oh, tu es rentré aussi vite? Ouais, bien sûr, j'ai pris du vol pour y aller. Je te crois alors. Ouais, crois-moi. Tu vas bien? Oh oui. Réjouissons-nous avec la glace. Bien sûr, nous allons... Attends. Avant de manger la glace, tu dois envoyer au coron nous chercher quelque chose. Tu le penses? Oui, tu le connais. Waouh, tu es si intelligente, ça c'est cool. Tu as raison, ouais. Il est où? Il n'est pas à la attends, maison. Attends. Okoro! Okoro! Il est où? Okoro! Ouch! J'arrive. Bienvenue, diable. Oh, c'est toi. Me voici. Tu vas aller. Tu prends ça. 1, 2, 3.
Allez, prends ça. Ouais, combien tu es là? Écoute, j'aimerais que tu ailles en ville pour me chercher. Cherche-moi quelques gens de corned beef. Comme. Tu dois aller au fond de la ville, dans le super magasin, le rouge ou le bleu. Ça dépend de là où tu vas. Juste trouve ça. Je n'aime pas vraiment ceux qui sont autour de nous ici parce que, tu sais, ils ne sont pas de mon niveau. Juste prends ton temps et vas-y. Pardon, s'il te plaît. Ne sois pas du tout fâché. Depuis qu'on m'a mis au monde, je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un qui est con est devenu une biche. C'est depuis quand ça? Combif, gars. Combif. Qui ne connaît pas Combif dans cette ville? Tu vas dans le magasin, tu demandes d'après cela, ils vont t'aider. Mais non, tu vas dans le magasin, tu demandes au serveur et ils vont t'aider avec du Combif. Mm-hmm. Essaie de faire fonctionner, tu sais, ton cerveau. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est ton père. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit merci. Et j'ai dit que, au fait, je te saluais. D'accord. Vas-y. Tu peux marcher et garder le reliquat. S'il te plaît, ne sois pas fâché. Qu'est-ce que tu m'as dit d'acheter? Corn beef. Respecte-moi ou ne crie pas sur moi. Pas de problème. Je sais, mais je pense que tu vas bien maintenant. Ah! Attends. Mais qu'est-ce que tu fais avec la glace? Attends, je ne sais arrête, pas. Arrête ça! S'il te plaît, ne sois pas fâché. Ne sois pas fâché. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh. Lorsque j'allais, j'étais presque arrivé à la boutique. J'ai oublié ce que vous m'avez dit d'acheter. Détérioration mentale. C'est à cause de la détérioration mentale. Flash info. J'ai dit corned beef. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je dis corned beef. Fais fonctionner ta tête. Pense avec ta tête. Qui ne connaît pas corned beef? Va dans le magasin en ville. Qui ne connaît pas le corned beef? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Calmement. Tais-toi et va me chercher du combi. Oh, arrête. Tu m'as fait ça? C'est pas bon. C'est pas fâché, hein? C'est pas fâché. Tu sais... Rien ne marche. Non. Ne dis pas. Ça ne marche pas. Tu vois pas? Non, laisse-moi. Non, je veux juste... Non. Attends. Ne te dérange pas. Laisse-moi. Mais pourquoi? Arrête. Je suis très sale, je veux m'essuyer. Je vais juste... Je serai dans ma chambre, ok? Je vais prendre mon téléphone, je suis désolée. Tu as conscience de ce qui arrive. Comme tu peux voir. Je sais. Mais tu sais, comme ils ne sont pas là aujourd'hui, demain aussi est un autre jour, donc nous leur accordons ce bénéfice du doute. Tu comprends? Oui. Ce que j'ai dit? Mm-hmm. D'accord. Je me sens si fatiguée. Oui, j'ai juste envie de toucher ton corps. T'embrasser, te serrer dans mes bras et bien explorer ton corps. Hein? Hein? C'est ce qui me tente. Mais, oublions ça pour le moment. Allez, viens. Tu dors bien, petite sœur. Non. Allez, viens. Ça va.
Roy. Réveille-toi, réveille-toi. Il fait déjà jour. Ah, Dieu, laisse-moi rester un peu. Tiens, réveille-toi. Allons à la salle de gym. Seigneur. Allons-y. Je me sens épuisée, j'ai besoin de m'exercer. Je sais. Mon Dieu, j'ai encore sommeil. D'accord, allons-y. Ouais, allons au gym. Allons-y. On va aller s'exercer. Tu en as besoin. Tu vas utiliser les toilettes, n'est-ce pas? Oui. Je sais que tu viens de te réveiller. Oh, qu'est-ce que je me sens fatiguée. Roy? Ouais. T'es tellement trop sexy quand tu travailles. J'aime ça. Ouais. Merci, petite sœur. Tu sais que tu m'as fait peur. Vraiment? Je te jure. Tu es sérieuse? Qu'est-ce qui se passe? Tu ajoutes Arrête. Du poids? Attends. Le fait de poser ma main sur ton épaule. Je ne veux pas m'arrêter. Est-ce qui te fait peur, petite sœur? Tu sais quoi? Est-ce que tu peux reculer d'un pas? Ah! Mais... Je n'ai rien dit haut et je n'ai rien vu du tout. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu, Okoro? C'est ce compte qui va avec le bif que tu m'as envoyé d'acheter que j'ai apporté. Prends. Attends, laisse-moi voir. Attends, attends. Je t'ai donné 3000 pour ceci. 3000 naira. Pour ceci, c'est ce que tu m'as acheté à la place de compte bif, ceci? Tu dois être très stupide. C'est Est-ce vrai? Que tu vas bien? Tu vas bien? Ça c'est du haricot. Ça c'est du haricot. Est-ce que tu vas bien? Tout va bien avec toi? Tu sais quoi, juste donne-moi ça. Prends cette chose. Non, merci. Mais attends. Roy, tu quelle est cette connerie? Celle-là pour 3000 naira? S'il te plaît, je suis au salon. Tu es content de ce que tu as fait? Laisse-moi. Toi, écoute-moi très bien. Si ce n'est pas que c'est ta maman et ton papa que je respecte, elle te battre dans cette maison depuis... Qu'est-ce que tu as dit? Elle depuis terminer ta carrière. Vraiment? Je vais te... N'importe quoi. Toi là, je n'ai même pas le temps pour toi. Oh. J'ai faim.
Salut, monsieur, je veux nous voir Roy. Est-ce qu'il est là? Roy. Qui es-tu? C'est quelle question ça? Tu ne me connais pas? Pardon, ne sois pas fâché. Sois pas du tout fâché. Qui es-tu à Roy? Excuse-moi, pourquoi tu me poses ces stupides questions? À quoi cela te concerne? Tanti est là. C'est maintenant que je te vois clairement. Sois pas fâché. Hein? Tu vois, je vais demander à mon patron de m'amener chez un prophète ou bien un pasteur. L'homme va mettre la main sur moi et prier pour moi. Dès lors, je ne vais plus poser des questions stupides. Je vais encore poser une question pour toi, ça peut être stupide. C'est toi la camarade de classe de Ogaroy? Parce que Ogaroy ne veut voir aucun visiteur ni un étranger, c'est pourquoi il ne veut recevoir ni visiteur ni étranger. Pour l'amour du ciel, mais c'est quoi toutes ces questions? Peux-tu aller ouvrir le portail pour moi? C'est un ordre. Bouge! Un autre ordre. Maintenant? Un autre ordre. C'est un ordre. Zut! Salut, ça va? Oh, moi aussi je vais bien. Oui, il est là. Vas-y, entre. Merci. Allez, comment tu vas? Dis-moi, fais-moi tes ralentis. Allez, j'ai besoin de toi, je suis excité. Allez, lentement. J'ai hâte de... Oh, selon mon calendrier, ça ne sera pas possible pour aujourd'hui, Roy. Allez. S'il te plaît, ne continue plus à me parler de ton calendrier. C'est trop pour moi, je t'attendais depuis tout ce temps. Pour combien de temps je vais t'attendre? Dis-moi. Bébé, tu sais que j'ai toujours été prête pour toi, non? Pas aujourd'hui, hein? Pourquoi pas aujourd'hui, bébé? Donne-moi ce bonbon, je veux ça. Allez, Roy, arrête pas aujourd'hui, tu es toujours chaud. Ah non, pas aujourd'hui quand même. Donc, d'accord, tu veux me dire que tu es là juste pour me dire que pas aujourd'hui, c'est ça? C'est ce que oui, tu dis? Oui, je suis venue parce que je t'avais promis de venir, c'est pourquoi je suis là, hein? Attends, je suis en chaleur, j'ai besoin de toi, je veux dire. Donc, tu dis que tu es juste là pour me voir et... Oui, c'est juste pour te voir comme c'était promis, je ne voulais pas te décevoir. Je tiens à ma parole. Tu sais... Allez, bébé. Attends, excuse-moi. Tu as dit que tu es venu ici pour ne pas me décevoir. Je t'ai dit que j'ai chaud. J'ai chaud à l'intérieur. Et tu me dis que tu es venu ici pour ne pas me décevoir. C'est ce que tu dis. Maintenant, sors d'ici. Sors d'ici. Sors. Dégage. Quitte. Quitte. Donc tu es venu ici juste pour me dire que tu ne veux pas me décevoir? Quelle est cette bêtise? Je t'attendais ici depuis tout ce temps. Je t'ai dit que j'ai chaud. J'ai besoin de toi maintenant. Tu me dis... Je t'attendais depuis, tu viens me dire...
Pourquoi tu es venu alors? Pourquoi tu es venu cette fois-ci? Pourquoi tu es venu cette fois-ci? Bêtise. Je t'attendais depuis tout ce temps, tu viens me dire. Ça fait 10 mois maintenant. Je t'attendais. Je m'inquiète vraiment de ça. Comment vais-je épouser? Pas besoin de chercher Sévère, elle est déjà partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a juste... Pour quelle raison elle pense que je l'ai appelée? De voir son visage? Elle est là avec certaines stupides excuses du genre. Son calendrier ne lui permet pas ça et ça. Qui se soucie de ça? Je m'en fous de ça. Tu m'as fait rire. Tu l'as chassée d'ici? Bien sûr, je l'ai fait. Je l'ai renvoyé. Non, ce n'est pas juste. Qui se soucie? Je m'en fous. Pardon. Petite madame. Aga, salut. Qui t'a appelé ici, Okoro? Écoute, à l'heure où je te parle, j'ai fait... Mes intestins sautent dans mon ventre à cause de la faim. Il y a certains qui chantent même. Certains chantent blues, d'autres chantent la salsa avec une guitare. Lorsque je jouais de la guitare, priki, à cause de la faim, une corde est coupée et la musique a stoppé. S'il te plaît, aidez-moi. Ne me laisse pas mourir, petite madame. Okoro, je n'ai pas de la nourriture pour toi, désolé. Ne dis pas ça. Laisse-moi te dire, je peux mourir. Écoute, donne-moi de la nourriture. Si tu ne me donnes pas de la nourriture, dans peu de temps, quand tu seras dans ta chambre, tu vas entendre bim, ça s'est passé. Puis tu vas regarder par la fenêtre, non pas la porte. Si tu regardes par la fenêtre, tu vas voir que Okoro est mort. Mon enterrement coûte très cher. Donc si je meurs maintenant, tu vas dépenser beaucoup d'argent pour m'enterrer. Sois intelligente. Ne me laisse pas mourir. Ok, attends. C'est ce que je voulais donner à Roy. Tu peux prendre ça. Juste, tu peux prendre ça. Tu sais quoi? Retourne à ton poste et mange ça. Ce n'est pas que tu n'as pas essayé, mais ce n'est pas ça qui remplit mon ventre. Mais, qu'est-ce que l'homme va faire maintenant? C'est ce que j'ai trouvé pour le moment. Donc, je vais gérer. Bah, c'est ce que je mange. Je vais revenir. Tu sais quoi? Je suis vraiment... Je n'arrive pas à me retenir. Tout simplement que je suis vraiment, vraiment fâché contre ce gars et en a marre de lui. Je ne sais même pas quoi faire. Honnêtement, j'ai besoin d'être en paix, juste pour une fois. Tu sais quoi? Je vais être dans ma chambre, ok? Je suis vraiment fatiguée de tout ça. Je sais, je suis tellement fâché. J'en ai vraiment marre de ce gars. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Dois-je le tuer? Je vais le tuer.
J'ai vraiment besoin de toi. Je suis d'humeur. Viens là. Qu'est-ce que c'est? Okoro, pourquoi tu es en train de courir comme ça? Tu m'as fait peur. Dieu, je te remercie, Dieu. Je ne sais pas que c'est comme ça que tu m'aimes. Je ne sais pas que c'est comme ça que tu m'aimes. Vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé? Entendu quoi? J'étais là et j'ai entendu... C'était une bombe qui est passée par mon oreille. Il allait bombarder quelque part. Boum, boum. Beaucoup de personnes sont mortes. En réalité, ma maman dit que son père lui a dit que son grand-père lui a dit que son arrière-grand-père lui avait dit que son oncle leur avait raconté que qu'on leur avait dit que lorsqu'ils étaient tous allés à Onitsha pour aller acheter leurs marchandises à vendre, les autres sont retournés à Aba pour acheter leurs marchandises. Et on leur a dit que lorsqu'ils achetaient leurs marchandises, que soudainement, qu'il avait eu un grand bombardement et beaucoup de gens sont morts. Roy, est-ce que tu as compris tout ce que cet idiot vient de dire? Seigneur. Oh Dieu, Dieu, merci, merci. Attends, tu viens de nous raconter l'histoire de tes parents il y a 2 siècles. À propos de l'explosion de la bombe il y a 2 siècles. Vraiment, d'accord. Merci Seigneur. Merci pour le flash info. Tu m'aimes tellement. Sors d'ici. Non, attends, Roy, laisse-les tranquilles. Quitte ici. Juste pas. Sors d'ici. Je suis ton grand-père. Roy, s'il te plaît, ne touche pas. Je suis ton semblable. Donc tu me dois du respect. Nous raconter une histoire de l'explosion de la bombe il y a 2 siècles. Honnêtement, c'était amusant. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je me suis retenue de ne pas rire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Je suis fatiguée de tout ça. T'inquiète, maman va faire quelque chose à propos de ça. Je vais dans ma chambre. Ok. Dis-moi la vérité. Je veux dire, tu le sais déjà. Non, mais écoute, je suis 100% sûr que la plupart des gars dans ton école ne sont pas dérangés de sortir avec toi. Je suis tellement certain de cela. Je suis sérieux parce que tu es une belle dame. Oh mon Dieu, c'est ce que les hommes disent toujours. Non, pas comme ça. Dis-moi la vérité. Tu n'aimes pas ça? Principalement quand on vous appelle, c'est sûr à laquelle vous commencez vos grimaces. Bien sûr que j'aime. Qu'est-ce que tu crois? Je suis une jolie demoiselle. Oui. Regarde-moi ça. Une fois qu'on vous dise, vous êtes belle, blablabla, c'est en ce moment-là que vous commencez vos grimaces. Je vais bien. Je ne veux même pas y penser. Laisse-moi aller me soulager. Ok, je t'attends. Hey, moustique. 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 Que fais-tu ici? C'est moustique. Quand j'étais à l'extérieur, ils sont venus en groupe. J'essaie de les tuer, mais ils venaient en groupe. Comme ils sont beaucoup, ils m'ont poursuivi. C'est pourquoi je suis venu ici. Excuse-moi. Natacha, as-tu une fois vu des moustiques dans cet appartement? Bien sûr que non. T'inquiète, laisse-les-moi. Non, tes conneries deviennent de trop dans cette maison. Tes conneries, elles deviennent très agaçantes. Tu m'as entendu? Tu dois vraiment faire attention. Est-ce que tu m'as entendu? C'est à cause des moustiques. Okoro, qu'est-ce que tu fais là? C'est les moustiques. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais déjà pas interdit de... Tu sais quoi? Je vais te donner une très bonne punition que tu mérites. Et je te jure que je vais faire ça. Pardon. Va. Oh. Va. Va. Moustique. N'importe moustique. Quoi. Moustique. Va.
gars, je salue. Oh. Je vous salue. Je te salue. Oh, gars, tu vois, hein? Je suis venu te supplier de m'aider à parler à Madame Acha. Qu'elle me trouve une nourriture, même si c'est une petite nourriture. Qu'elle ne se soucie pas de la taille de la nourriture. Cette fois-ci, même si c'est petit qu'elle me donne, je vais manger, s'il te plaît. Tu sais, le problème est que tu rends tellement Natacha nerveuse. Tu te comportes très mal dans cette maison. D'accord? Et au même moment, tu es tellement drôle, mais tu donnes à tout le monde des maux de tête. Alors, en fait, je ne peux rien, donc. Hey, ouais, s'il te plaît, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Quelquefois, je me pose la question. Okoro, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quelquefois, je serai seul, entrerai dans ma chambre, fermer la porte. Et je préviens moi-même. Okoro, tu es dingue. Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu n'as pas de sens? Hein? Pourquoi tu cours des ennuis? Pourquoi tu cours des ennuis? Tu n'as aucun sens. Quand je considère ça, je réfléchis et je dis c'est vrai. Quelquefois, ce n'est pas de ma faute. Je serai là-bas et un esprit va venir comme ça. L'esprit du nègre va venir. Le diable va venir entrer dans mon corps. Quand il entre dans mon corps, il va dire au Okoro, lève-toi et crée des problèmes. Va créer d'ennui. Crée-toi la nuit. Lève-toi. Lève-toi. Et je dirai à l'esprit que non, 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 non. Je ne veux pas créer d'ennui. Ce n'est pas bon d'être un fauteuil de troubles. Mais l'esprit me dirait, bouge. Et avant que je le sache, je crée déjà les ennuis. J'ai toujours essayé de me retenir, mais ça ne me permet pas. Tu dis ça toujours. Tu dis toujours que tu vas changer, que tu changeras, mais au même moment, tu retournes toujours à toi-même. Donc, comme tu le sais, je ne suis pas le cuisinier, donc je ne peux rien. À propos de ça, je ne sais pas, tu as vraiment faim? Ah, tu penses que je vais juste venir ici pour... Chut, tu as vraiment faim, oui ou non? Oui, je vais le dire 1000 fois. Chut. Ouais, 1000 fois, oui. Excuse-moi, laisse-moi vérifier dans la cuisine s'il y a une bouffe. Vraiment, la manière dont je sens la faim maintenant, c'est pas comme ça que je la sentais avant ou... D'accord, malheureusement, la porte de la cuisine est fermée. Il n'y a rien d'autre que je puisse faire. D'accord, prends ceci et va chercher de la bouffe. Il y a une dame qui vend de la nourriture au niveau du carrefour là-bas. Ah, juste devant. Attends. Ah, Roy, tu me donnes l'argent pour acheter de la nourriture. Ah, viens, à genoux. Je vais prier pour toi. Désolé. Dieu va te bénir. Que Dieu te bénisse abondamment et que tout ce que tu désires dans la vie, qu'il te le donne. Entendu? Hey! Mais, merci beaucoup pour l'argent. Mais je vais te dire une chose. Tu es là, elle a fermé la cuisine. Si tu as faim, comment tu vas faire? Merci. Wanemo, hey, egona toto, hey, hey, egona toto, wanemo, hey, egona toto, wanemo, hey, egona toto, wanemo, egona toto, wanemo. Gars, je salue. Oh. Je vous salue. Je te salue. Oh, gars, tu vois, hein?
je suis venu te supplier de m'aider à parler à Madame Asha. Qu'elle me trouve une nourriture, même si c'est une petite nourriture. Qu'elle ne se soucie pas de la taille de la nourriture. Cette fois-ci, même si c'est petit qu'elle me donne, je vais manger, s'il te plaît. Tu sais, le problème est que tu rends tellement Natacha nerveuse. Tu te comportes vraiment très mal dans cette maison, d'accord? Et au même moment, tu es tellement drôle, mais tu donnes à tout le monde des maux de tête. Alors, en fait, je ne peux rien, donc. Hey, ouais, s'il te plaît, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Quelquefois, je me pose la question. Okoro, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quelquefois, je serai seul, entrerai dans ma chambre, fermer la porte. Et je préviens moi-même. Okoro, tu es dingue. Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu n'as pas de sens? Hein? Pourquoi tu cours des ennuis? Pourquoi tu cours des ennuis? Tu n'as aucun sens. Quand je considère ça, je réfléchis et je dis c'est vrai. Quelquefois, ce n'est pas de ma faute. Je serai là-bas et un esprit va venir comme ça. L'esprit du nègre va venir. Le diable va venir entrer dans mon corps. Quand il entre dans mon corps, il va dire au Okoro, lève-toi et crée des problèmes. Va créer d'ennui. Crée-toi la nuit. Lève-toi. Lève-toi. Et je dirai à l'esprit que non, 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 non. Je ne veux pas créer d'ennui. Ce n'est pas bon d'être un fauteuil de trouble. Mais l'esprit me dirait, bouge. Et avant que je le sache, je crée déjà les ennuis. J'ai toujours essayé de me retenir, mais ça ne me permet pas. Tu dis ça toujours. Tu dis toujours que tu vas changer, que tu changeras, mais au même moment, tu retournes toujours à toi-même. Donc, comme tu le sais, je ne suis pas le cuisinier, donc je ne peux rien. À propos de ça, je ne sais pas, tu as vraiment faim? Ah, tu penses que je vais juste venir ici pour... Chut! Tu as vraiment faim, oui ou non? Oui, je vais le dire 1000 fois. Chut! Ouais, 1000 fois, oui. Excuse-moi, laisse-moi vérifier dans la cuisine s'il y a une bouffe. Vraiment, la manière dont je sens la faim maintenant, c'est pas comme ça que je la sentais avant. Ou... D'accord, malheureusement, la porte de la cuisine est fermée. Il n'y a rien d'autre que je puisse faire. D'accord, prends ceci et va chercher de la bouffe. Il y a une dame qui vend de la nourriture au niveau du carrefour là-bas. Ah! Attends. Ah! Roy, tu me donnes l'argent pour acheter de la nourriture. Ah, viens, à genoux. Je vais prier pour toi. Désolé. Dieu va te bénir. Que Dieu te bénisse abondamment et que tout ce que tu désires dans la vie, qu'il te le donne. Entendu? Hey! Merci beaucoup pour l'argent. Mais je vais te dire une chose. Tu es là, elle a fermé la cuisine. Si tu as faim, comment tu vas faire? Merci. Bienvenue chez nous, madame. Salut. En quoi je peux vous aider? Je peux avoir la chambre de monsieur Richard. Monsieur Richard, c'est sur rendez-vous? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas joignable. T'inquiète, je vais l'appeler. Ok. Oui.
Allô? Ouais? Ok. Oui, je suis là, je te cherche. Très bien, je suis là dans une minute, ok? Ok, ok. Ok, merci. C'est bon. Quelqu'un vient me voir au niveau du stage, tu vois un peu quoi. Et actuellement, on est venu me voir. Bon, je crois que je dois partir maintenant. Mais je reviens très bientôt, ok? Hein? Je reviens. Chérie, ne prends pas beaucoup allez, de temps. Allez, bébé, arrête un peu ça. Écoute, avant que le jour se lève, je serai de retour, ok? Je t'attends. Ah, la vie, oh. Ah, avant que le jour ne se lève, je serai de retour, ok? Mes chaussures, où sont mes chaussures? Oh, mais c'était ici, non? C'était quelque part ici. Attends un peu. Ok, c'est ça. Bébé, je reviens, ok? Ok. Je vais bien. T'es très belle. Merci. C'est par ici. Merci beaucoup. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Toi, tu vas me tuer un jour. Richard, est-ce que c'est un péché d'être amoureuse de toi? Mais tu étais où depuis tout ce temps? Oh, mais comment, chérie? Allez, bébé, tu me connais très bien. Tu me connais parfaitement. Comment peux-tu dire de telles choses? J'étais juste un peu occupé au boulot, tu sais. Mon boss est toujours derrière moi. Et surtout que je suis nouveau à ce boulot, tu vois un peu. Hein? Je suis fatiguée. Je ne veux même plus du tout écouter tes baratins. Oh, chérie. Excuse-moi. Rishi? Excuse-moi. Bien, comme je le disais... Pourquoi tu ne prends pas cet appel? Non, mais non, là, c'est mon patron. Il m'appelle très souvent pour savoir comment le boulot va, tu vois un peu. Bébé, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Tu es sûr que c'est ton boss? C'est ça? Oh, allez, c'est mon boss. Oh, tu ne me crois pas? C'était mon boss. Réponds à cet appel. Bébé, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'il puisse gâcher ce moment, tu vois. Donne-moi ton téléphone. Pardon? Je veux juste te voir. Tu sais, c'est vraiment très bon. Je crois que tu devrais y goûter. C'est vraiment très bon. Allez, goûte, vas-y. Continuons de causer alors. Ok, comme c'est comme ça, je n'ai pas du tout envie. Je vais m'en aller. Oh, allez,
pas ce soir, vraiment. Et puis tu es en train de mentir? Bébé. Bébé. Okoro, tu fais quoi ici? Pourquoi tu es assis par terre? Madame Jia, bonsoir. Oui. Ah oui, c'est la nuit, mais pourquoi tu es assis par terre? Donc tu n'as pas appris ça? Toi qui regardes chaque fois la télé, tu n'as pas appris ça? C'est pas chose facile. J'ai appris que c'est la nuit que les voleurs entrent maintenant dans la maison des gens. Alors je suis ici pour protéger tout le monde dans la maison. Oh yo yo. Comme tu peux voir, je ne pense pas que ça peut être par ici. Juste, lève-toi et rentre dans ta chambre, ok? Qu'est-ce que tu as dit? Rentre dans ta chambre, tu n'as pas besoin d'être ici. Les enfants sont en train de plaisanter. Moi, retourner où? Non! Moi, quant à ce qui me concerne, je dois te protéger, protéger Oga, et protéger Madame et protéger tous les biens de cette maison. Les biens comme les poissons, les biens comme les animaux. Ok, j'ai... Bonne nuit, je vais juste entrer dans ma chambre. Ok, tu vas voir dans ta chambre. Regarde-toi, c'est parce que je ne connais pas ton idée. Viens passer, je vais voir. Moi, je vais vous perturber. Je vais vous perturber. Je suis sorcier. Tu me prends pour qui? Je sais ce que tu as l'idée. Vous n'allez pas réussir. Viens le faire, je vais voir. N'importe quoi. C'est quel genre de gouvernement ça? Il pleut partout. C'est quoi, gouvernement? Vous ne pouvez pas retenir la pluie? Tout le monde se plaint parce qu'il pleut partout et chaque jour. Regardez comment j'ai faim. C'est quel genre de vie ça? C'est moi ça? C'est ce que j'étais avant. La faim me frappe. Et je mange dans les rêves n'importe comment. C'est pas qu'on manque de la nourriture dans cette maison. Mais cette fille, Natacha, peux-tu t'imaginer? La faim fait que je me suis souvenu de ton nom et j'appelle ton nom. Depuis le matin jusqu'à présent, je n'ai encore rien mangé. Hier, la nourriture que j'avais mangée, c'était dans mon rêve. Tu dis que tu me punis. Et dans le rêve, ce n'est même pas de bonne nourriture que je mange. C'était du foufou et du thé que j'ai pris. Mais regardez-moi, la faim veut me tuer, regardez-moi. Tu vois, au fait, prends tes effets, quitte cette maison. Tu n'es pas digne de rester sur la terre. Va rester dans les cavernes. Tu es très méchante. Sors de là-haut. Parce que si je meurs, ne suis-je pas déjà un cadavre? Je ne vois plus bien. Regardez-moi. Il a quoi? Regardez. C'est comme ça la faim. Je n'avais jamais eu faim comme ça. C'est la faim qui fait que je n'arrive plus à bien voir. Regardez-moi. Je meurs de faim. Je vais aller dans ma chambre. La faim, Chai, vraiment, cette fille est méchante. C'est moi comme ça. Je vois maintenant les choses doubles. La faim, dans mon ventre. Une chose est devenue deux dans mes yeux. Il n'y a qu'une seule voiture là-bas. Mais je vois deux. Cette faim, ça me rend dingue. Non, la faim ne peut pas me rendre dingue. Je vais mourir, oh! Qu'est-ce qui a fait tarder Natacha comme ça? Regardez l'heure, Ogaroy! Qu'est-ce qu'il y a? Ogaroy! La faim! La faim! Mon ventre! La faim! La faim! Oh! La faim! La faim! La faim! Okoro, lève-toi! Arrête ça! Arrête ça, non! J'ai faim! Okoro! Okoro!
Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Arrête, arrête tes conneries là. Tu vas bien? Du Léo. Hein? Du Léo. Tu es sérieux? Tu vas bien, Okoro? 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 Non, attends. Je peux t'écouter maintenant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Pardon. Parle-moi. Okoro? Hein? Du lait, du lait. Ok, pas de problème. Du lait, oh. T'inquiète, je vais te chercher ça. Du lait. Juste attends-moi. Du lait, oh. D'accord. Du lait. Du lait, oh. Non, arrête. Voici le lait. Prends ça. Voilà. Ouais. Ouais, doucement, ça va. Petite, ça va, petite madame. Tu iras bien. Petite. Elle n'est pas là, mais t'inquiète pas. Je peux te donner tout ce que tu veux. Tu veux plus du lait ou quelque chose d'autre? Ça va. Donne-moi. Allez, donne-moi. Prends ça. Prends ça. D'accord, ça va. Calme-toi, ok. Ça va t'aider. Du lait, oh. Un autre lait. Mais personne n'est dedans, je ne sais pas là où ils ont mis tous ces trucs. Que veux-tu que je fasse? Regarde du lait, oh. Du lait. Une autre boîte, oh. Regarde du lait. Tu vas bien maintenant? Regarde, Roy. Hein? Okoro. Okoro. D'accord, laisse-moi te chercher, Okoro. Prends. Okoro, laisse-moi te chercher tout ce que tu veux. Donne-moi quelques minutes. Pardon. Il n'a même pas de couilles. Fou. Je l'ai fait peur. Donc si ce n'est pas que j'étais tombé évanoui, je n'allais pas prendre ce lait. Je ne me souviens même plus quand pour la dernière fois j'ai pris du lait. Fou. Demain, je vais mourir encore. Je continuerai à mourir. Du lait, regardez ce fou, il n'a même pas de couilles, une mort simple. Ce lait est doux, que je bois vite pour attendre le second. Même s'il m'apporte une douzaine de boîtes, je vais boire, que je tombe évanoui encore. Peux-tu arrêter ça? Quel genre d'individu es-tu? Qu'est-ce que c'est? Réveille-toi. Mais c'est quoi ça? Tu es mourant? Quel type d'individu es-tu? Hein? Qui peut ronfler comme ça? Thank you.
Ouais, mais bon. Bonjour, comment vas-tu? Et la maison? D'accord, en fait, j'ai remarqué cela. Où est Timothée? Il est au portail, d'accord, bien. Je veux que vous, toi et Timothée, fassiez le ménage de la maison et laissez à la surveillance de Sani. Le chauffeur, ouais. Et je veux que vous veniez tous les deux ici, dans le manoir, pour travailler. Oui. Tout de suite, bien sûr. Aujourd'hui. Nettoyez la maison, laissez ça à la charge de Sani et dirigez-vous vers ici dans le manoir. J'ai besoin de vous deux. Dis à Timothée que j'ai besoin de lui ici parce que le portier d'ici est en quelque sorte malade, donc il est au repos. Ouais, nettoyez ça. D'accord, je t'attends aussi. Merci. Donc, venez par ici. Par ailleurs, toi, Mebo? Oui, monsieur. Toi? Oui. Tu vas prendre soin de tout? Oui, monsieur. Comme je l'ai déjà dit, et assure-toi de lui apporter de la nourriture tout le temps. 4 fois par jour, 5 fois oui. par jour, si possible. Ah, merci. Parce que je ne veux pas qu'il commence à pleurer comme Okoro l'a fait. D'accord? Oui. Okay, s'il te plaît, de la bouffe. De l'eau, donne-lui à manger. Oui, monsieur. D'accord? Tu peux aller à l'intérieur. Oui. Voici monsieur, sa chambre. Merci. Quand tu apportes la nourriture, regarde. Tu vas là-bas, voilà son appartement. Ok. Ouais. Toi, vas-y, regagne ton appartement. Ouais, va tout droit et ouvre la porte. Là-bas? Dépose ton sac là et reviens ici, je vais te montrer quelque chose. Patron des patrons. D'accord. Laisse-moi te montrer comment marche le portail, d'accord? Ces deux boutons sont pour, tu sais, ouvrir et fermer. Ok. Et ceux-là sont pour, tu sais, pour d'autres choses. Je ne veux pas que tu apprennes ça maintenant, mais... Ok. Donc, tu vois? D'accord. Mon boulot. Ok? Ouais. Et tu fermes. Tu le fermes, d'accord? Mon travail. Ton travail. Je l'ai fini pour toi. Tu l'as eu une fois fait? Voilà. Maintenant, c'est fermé. Je vais te voir essayer. Tu n'as pas besoin de juste appuyer. Tu n'as pas besoin d'appuyer si fort. Vas-y doucement. Franchement, c'est génial, hein? Oh non. Voilà, maintenant, tu peux le fermer. Ok. Voilà. Voilà, c'est très facile. Ok. Ouais, d'accord. Merci. Qu'elle apporte la nourriture, oh. J'ai faim. À manger. Ça, c'est une promotion. On a un bloc au dara, yé.
solo brugo amrojo darao. Oh mon Dieu. La vie est toujours comme ça, hein. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Et l'argent n'a pas d'odeur. Tout c'est l'argent. Il n'y a pas de différence. C'est ça. La waouh. La vie. Ah, cette voiture est tellement grande. Oh. Ah. Ok. Pas de problème. Allons-y. Na wa. Hein? En faisant ce travail, je pense déjà à mon salaire. Oh. Je vais bien les bouffer. Oh. Hein? Grâce à ce travail, tu vas me demander qu'est-ce qui se passe. Je vais te dire que c'est mon argent. J'ai souffert pour avoir cet argent. Idiot. Là, je suis en train de nettoyer la voiture lorsque je vais toucher à manger. Pas de problème. On verra bien. Une femme qui m'a accepté, tel que je suis. Mais elle est une bonne femme, franchement. C'est une femme sans problème. Une femme qui m'a accepté tel que je suis. Une femme qui a abandonné son ego pour m'accepter. Une femme qui respecte sa féminité. Je suis en train de la perdre en ce moment. Roy, je t'ai appelé 3 fois. Pense-toi, Ella. Pense-toi, Ella. Elle est cette bonne dame. Cette femme que tu as toujours aimée. Cette femme qui t'a toujours adoré. Cette femme qui prend soin de toi. Pas comme sa fille de dehors qui pourrait facilement tomber dans tes bras. En un clin d'œil. Pense-y. Profondément. Profondément comme le fond de l'océan. Profondément comme le fond de l'océan. Ouais, je sais. C'est que j'ai hâte de te voir. C'est tout. Hein? Allez, Ella. Arrête, non. Je ne joue pas un gentleman maintenant. Hein? D'accord, ok. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, bébé Ella. Je veux te voir. Bien sûr, je l'ai déjà dit. S'il te plaît, allez, je viens de dire je suis désolé. D'accord, je désire te voir. J'aimerais te voir, bébé Ella. D'accord, s'il te plaît, bébé Ella, j'aimerais te voir. Ella, ça va maintenant? D'accord, ok. Dépêche-toi, je t'attends, ok? Mais je suis... D'accord, je suis un gars gentil, t'inquiète.
Oh mon Dieu, tu es... D'accord. Madame Star, la très jolie madame. Hey, ferme le portail. Hey, chérie. Bienvenue, ravi de te voir. Ça, c'est un nouveau visage, je vois. Bien, je dois l'appeler pour venir remplacer Okoro. Okoro est allé en congé. Ouais, il a failli mourir chez moi, donc je lui ai dit d'aller voir sa famille. Ça va? Ouais. Allez. Meba! 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 Oui, monsieur. S'il te plaît, quelques boissons. Dépêche-toi. Ok, monsieur, mais j'arrive. Comment ça va? Je ne m'amuse pas. C'est que... tu sais, parfois je peux mentir, hein, parce que les hommes mentent beaucoup. On aime vraiment mentir et très souvent on ne s'arrête pas. Oui. Oui. Tu continues toujours avec ce genre de trucs. Je ne suis pas sur la défensive. Je ne suis pas. Le boisson est là. Ouais, merci. Ouais. Non, pas de problème. Je vais m'en charger. Merci. Je ne le suis pas. Allez, Ella. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. S'il te plaît. En tout cas, rapidement. La raison pour laquelle j'ai appelé et la raison pour laquelle je veux que tu sois ici, c'est pour présenter mes excuses à cause de mes réactions, la manière dont je t'avais parlé et durant tout ce temps je suis dans mon coin et je me suis rendu compte que tu as tout fait pour garder ton calme. Tu n'as pas réagi en fonction de ce que je suis, ce que je suis devenu, tout ce que je faisais. Tu sais, tu n'as fait aucune réaction pour me répondre. Et pour être une si bonne femme qui peut protéger sa relation, qui peut garder son calme malgré tout. Bien. Roy n'a pas le choix, je suis désolé. Et pour ne pas te mentir, tu es cette seule femme que je veux. Je tiens vraiment à toi, je suis désolé de t'avoir mal compris. Tu es juste cette personne que je n'aimerais jamais rater ou perdre. Donc je suis désolé. Essayons de tout recommencer à zéro. Ouvrons une nouvelle page et recommençons tout à nouveau.
Ok, d'accord, oui, je te pardonne. Promets-moi que tu ne le feras plus. Je te promets. Peu importe comment est le calendrier. Je suis désolée. Merci. Sur mon front. Porte un toast pour un nouveau départ. Ok. Ouais. Alors, toast pour le progrès, prospérité, passion, pouvoir et bonne chance. Santé. Allez, tiens. Alors, il fait bien aujourd'hui. On va s'amuser. D'accord. D'accord, marché conclu. C'est ça. Oui, d'accord, chérie. La nourriture est déjà prête. Non, j'ai pas envie de manger. Pourquoi tu n'as pas faim? Non, je n'ai juste pas envie. Vraiment? Mmh. En tout cas. Ça ne dérange pas. Mais pour moi, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux ou bien? Allons-y pour que je nage pour toi. Allons à la piscine. Vrai? Ouais, je suis un requin. Yeah. D'accord, ok. Je vais te montrer comment nager. Non. Pourquoi? Thank you.
girl I'm waking up the game. I'm a wreck of music. Follow me down. Watch out when you're on. Eternal in Africa. Ewo. Quoi? Te fâche pas, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en colère contre toi. Hier, tu m'as apporté à manger, mais tu as oublié de l'eau. Pourquoi tu te comportes comme ça? Je devais t'apporter de l'eau. Oui, non? Je ne comprends pas. Tu ne sais pas que je suis ton patron? Donc, tel que tu es là, tu ne sais pas que moi, je suis supérieur par rapport à toi? S'il te plaît, si tu n'as rien à me dire, tu n'as qu'à te taire, hein, pardon. J'ai beaucoup de choses à faire. Ok, ok, ne te fâche pas, s'il te plaît. Reviens. Il y a quelque chose qui me dérange que j'aimerais te dire. Lorsque tu vois cette jolie maison, tu ne l'aimes pas? C'est très classe, j'aime ça. Alors, planifions. Décidons de ne plus jamais quitter cette maison. Ok? Tu veux rester ici? Oui! Olga l'avait bien dit que nous sommes là juste pour un temps. Oui. Quand le grand Olga et toute sa famille vont revenir, nous allons rentrer chez nous. Et toi, tu dis que tu veux rester ici. Ok. C'est parce que tu manges 5 fois par jour. Oui, oh! Allez, va-t'en! Tu veux rester ici? Tu vas rester ici comment? C'est pas possible? Mais hey! Vraiment? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en colère contre toi. Hier, tu m'as apporté à manger, mais tu as oublié de l'eau.
Pourquoi tu te comportes comme ça? Je devais t'apporter de l'eau. Oui, non? Je ne comprends pas. Tu ne sais pas que je suis ton patron? Donc, tel que tu es là, tu ne sais pas que moi, je suis supérieur par rapport à toi? S'il te plaît, si tu n'as rien à me dire, tu n'as qu'à te taire, hein, pardon, j'ai beaucoup de choses à faire. Ok, ok, ne te fâche pas, s'il te plaît. Reviens. Il y a quelque chose qui me dérange que j'aimerais te dire. Lorsque tu vois cette jolie maison, tu ne l'aimes pas? C'est très classe, j'aime ça. Alors, planifions. Décidons de ne plus jamais quitter cette maison. Ok? Tu veux rester ici? Oui! Olga l'avait bien dit que nous sommes là juste pour un temps. Oui. Quand le grand Olga et toute sa famille vont revenir, nous allons rentrer chez nous. Et toi, tu dis que tu veux rester ici. Ok. C'est parce que tu manges 5 fois par jour. Oui, oh! Allez, va-t'en! Tu veux rester ici? Tu vas rester ici comment? C'est pas possible? Même hey! Ici. Vraiment? De quoi? Voilà. Mais bon, dépêche-toi, s'il te plaît. J'arrive, monsieur. Je vais sortir. Désolé, monsieur. Bon déjeuner. Et des omelettes? Et des omelettes? Oui, monsieur. Patron, je suis là. Ouais. Quel est le problème? Pardon, hein? Pourquoi? Entre toi et moi, qu'est-ce qu'on s'était dit quand j'étais arrivé ici? Tu m'avais dit qu'en travaillant ici, je veux manger 5 fois par jour. Mais voilà qu'aujourd'hui, mes belles me donnent seulement 2 repas. Pourquoi? Il y a quoi même? Timothée, c'est pourquoi tu es en colère? Hein? Oui, je suis comme ça. Tais-toi. Quel est ton problème? Mais quel est ton problème? Tu veux 5 repas par jour? Tout va bien avec toi? Tu vas bien? Oui, non. Pourquoi veux-tu 5 repas par jour? Quand en moyenne, on mange 3 fois par jour. Petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Pourquoi veux-tu 5 repas par jour? C'est le même nombre de fois que tu manges dans l'autre maison, dans l'autre manoir. Maintenant, pourquoi veux-tu que cela soit 5 repas par jour? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Patron, tu m'avais dit que je vais commencer à prendre un repas le matin, un autre repas les après-midi, un autre encore la nuit, encore un autre à minuit. Tais-toi! Imbécile, comment 5 repas par jour peut t'aider? Hein? Quand en moyenne, on doit manger 3 fois par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner? Tu veux 5 repas par jour? Tu veux grossir? Non, oui. Écoute, les règles et réglementations dans ce manoir, dans le grand et moderne manoir, ne sont pas différentes dans celui-ci. Dégage! Dégage! Patron, je ne fais... Dégage! Ok, pas de problème. De n'importe quoi. Mais bon. Mais belle! Thank you.
Quoi? Ouais, la belle vie, Natacha. Ouais, j'imagine. Hein? Tu profites bien, n'est-ce pas? D'accord, d'accord. Amuse-toi bien. Mais faut pas trop tarder, hein, parce que maman et papa seront bientôt de retour, donc. comment va Richard? D'accord, j'imagine. Ok. D'accord. ok, amuse-toi de toutes les façons, faut pas que je te dérange. Prenez soin de vous et... D'accord, je te parlerai après. Madame la belle vie. D'accord, d'accord, d'accord. Au revoir. Okoro, ouais, j'étais au téléphone. Oui, j'étais au téléphone, oui. Comment vas-tu? Et ta famille? Tout le monde va bien, n'est-ce pas? S'il te plaît, mes salutations à tout le monde. Non, 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 pas maintenant. Écoute, relax, relax, prends ton temps, relax, je vais t'appeler. Ouais, ils sont toujours à Dubaï, ils ne sont pas encore de retour. Mais je vais t'informer sur la date de retour. Comme ça, tu serais là deux jours ou quelques jours avant leur arrivée. Tu reviens. Non, 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 non. Mais tu venais de quitter, non? Ne te gêne pas. Pourquoi veux-tu revenir si tôt? C'est très tôt. Écoute-moi, tu es en congé sabbatique. Congé sabbatique, ouais. Va t'amuser avec ta famille, reste un peu. Relax, mange bien, mange tes mets locaux, foufou et autres. Oui, donc, ils seront bientôt de retour, donc je vais t'appeler un ou deux jours en avance. Avant cela. D'accord, s'il te plaît. Faut pas. Écoute, relax. Ne viens pas. Je dis ne viens pas pour le moment. Ne viens pas. Relax. Je vais t'appeler. Ça va, ok. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Reste là pour manger ton foufou et tout ce que tu veux. Je ne veux pas que tu reviennes ici encore et s'évanouis devant moi. Ça fait plaisir de vous avoir ici. S'il vous plaît, je veux que vous preniez soin de là où vous allez. Prenez soin de la maison principale. Hein? Je ne rentre pas. Je reste ici. Quelle est cette connerie? Qui veux-tu pour s'occuper de cet endroit? Veux-tu que Sani reste tout seul là-bas? Hein? Okoro est presque ici. Il est en route. Votre service a pris fin ici. Vous devez retourner dans la maison principale. Hein? J'aime la nourriture d'ici. Mon ami, tais-toi. Je ne veux entendre aucune bêtise. Mais bon. Maintenant, prends. Écoute, je vais partager ça moi-même. Je ne veux pas de la bagarre. Je ne veux pas de la bagarre. Montez dans la voiture. Montez dans la voiture pour que j'aille vous déposer. Tu ne vas pas ouvrir. Mais toi, si je veux me mettre devant... Hey. T'inquiète pas.
Moi, j'entre d'abord. Ok. Non, non, non. Oui, oui. Ensemble. Et en plus, c'était ordinaire. Oh, bien. Oh, belle maison. Ah. Ouais, mets nos bagages là. Ah. Ah. Bienvenue à la maison. Père, tu sais quoi? C'est bon, garçon. C'est bon. Ah, très belle maison, chérie, n'est-ce pas? On est mieux que chez soi. Vous êtes très bien amusé. T'as raison. Je peux le dire. Pourquoi, quand tu t'aimes à parler comme ça, je ne comprends absolument rien. Maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est une civilisation. C'est toute une langue maintenant, chérie. C'est toute une langue. Ça, c'est ce que je dis. Allez, prends. Oui. Merci. Ok, père. Oui. Dois-je donner ça à maman d'abord? C'est bon, je vais servir ma femme. Tiens, chérie. Ça, merci, c'est pour beaucoup, toi. Chérie. Je sais que c'est ce que tu diras. Je vais t'apprendre, ne t'en fais pas. Mais pourquoi? Oui. Bien. En tout cas, tu as raison. Oui, oui, oui. Père. Ouais. Bientôt, vous ferez aussi un tel voyage. Oui, très bientôt. En fait, je voulais savoir, hein, quand est-ce que vous allez nous organiser notre voyage Regarde sur Dubaï? Chérie. Regarde bien. Ton fils. Très On bientôt. En a parlé. On en a parlé. Je ne peux bientôt. Pas attendre. Vraiment? J'espère que ma petite princesse ne t'a pas dérangée. Non, pas du tout. Maman, je l'ai fait. Je veux dire, elle a toujours été une grande dérangée. Oh, Quelque maman, fois, pardon, oui. pardon. Père? Oui. Père, il y a quelque chose que je sais de mon père, hein, c'est qu'il aime ces endroits très Merci. Cool. Par exemple, la plage, rester au bord de la mer pour se relaxer. Oui, oui, c'est un sentiment très merveilleux. Oui, c'est ça, il est juste question de t'exercer. Tu te tiens quelque part et les choses t'emmènent vers ta destination. Tu vois. Voilà, c'est tout ce que je disais. D'accord Ouais, une maison géniale. Belle maison. Bienvenue, papa. Oui, chérie. Je suis impatiente de vous raconter ce qui s'est passé. Vraiment? Maman, raconte-moi tout. Je veux tout savoir. Je vais tout Maintenant, te raconter. Maintenant, je ne attendez, peux pas attendez. Attendre. Oui. Est-ce que vous n'avez pas trouvé des choses là-bas comme fraises chinoises? C'est ça. Exactement. Et nous sommes allés jusqu'au village du cinéma. Bien, après mon repos, je vais vous montrer quelques pas de danse que j'ai appris. Ça, c'est mon père. Montre-moi le style de Jean Balair. Jean Balair, j'espère que tu maîtrises ça. Vous êtes vieux pour ça. Tu es sérieux? Et ça aussi. Oui, Jean Balair. Jean Balair. Oh mon Dieu. Ouais. Chérie. Père. Je suis fatigué. Je vous demande juste de vous amuser. Mais nous devons nous reposer maintenant. Vraiment? Ouais, très fatigué. Viens, chérie. Allons-y. On y va. Ça va, amusez-vous. Amusez-vous, s'il vous plaît. Hein? Amusez-vous. Allons-y, chérie. Ok. Oh non. Assieds-nous. Restons ici un peu. En réalité, je ne peux plus attendre pour aller à Dubaï. Non, tu sais, il y a quelque chose à propos du père. Hein? Il m'a appris comment... Tu sais, il m'a appris comment faire des choses, une à une, étape par étape. D'accord. Maman et maman, je viendrai vous rejoindre. Ok, chérie. Tu sais quoi, je ne peux pas Donne-moi attendre. Donne-moi ça. Oh, non, Allez, arrête. Arrête. Je t'ai battue. Ne me mords pas. Grosse tête. Est-ce que t'as vu ça? Grosse tête. Alors, de qui parlons-nous avant qu'ils sont arrivés? J'ai entendu parler de ta petite amie Ella. Quoi? Chérie. Bébé. Bébé. Oh. Chérie, pourquoi tu ne dors pas? Chérie, j'ai été parler. Réveille-toi, s'il te plaît. C'est quoi encore? Ça ne peut pas attendre jusqu'à demain ou un peu plus tard? Non, bébé, ça ne peut pas attendre. S'il te plaît. C'est au sujet de nos enfants. Euh, euh, euh,
Les enfants. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je crois qu'il est temps qu'on leur dise la vérité nous concernant. Ça commence à me déranger. S'il te plaît. Es-tu sûr qu'ils ont vraiment besoin de ça? Je crois que oui. Ils en ont maintenant besoin. Alors, quand devons-nous nous faire cela? Quand? Demain. S'il te plaît. T'es sûr? Oui, bébé, je suis sûr. D'accord. Très bien alors. Ok, peut-on dormir maintenant? Oui. Merci beaucoup, chérie. Bonjour maman. Salut bébé. Salut chérie. Salut. Hé hey, Roy. Salut maman. Ouais, nous sommes. Hé maman, tu as quelque chose à nous dire? Oh oui chérie, c'est ça. Ouais. On doit vous parler de quelque chose. Il y a de cela 21 ans. 21 longues années. Oui. D'où est-ce que tu viens? Tu es toujours en retard, mais... Pourtant, tu es enceinte. Nous allons avoir deux bébés. Je vais dire deux jumeaux. Comment l'as-tu su? J'étais partie à l'échographie. On est incapable de prendre soin même d'un enfant. Et maintenant qu'ils sont deux, qu'est-ce qu'on va faire? Oh mon Dieu! Ah! Je ne peux pas le croire. Ah. Chérie, tu dois m'écouter. Je t'en ai parlé encore et encore. Nous devons avorter ces bébés. Je vois que tu n'es pas sérieux. Comment peux-tu me demander d'avorter de mes bébés? Non, bébé. Bébé, tu sais de quoi je parle. Je n'ai pas assez d'argent pour prendre soin de ces bébés quand ils naîtront. Je préfère encore souffrir que d'avorter de mes bébés. Sais-tu au moins de quoi tu parles? Arrête! Mais qu'est-ce que tu racontes? S'il te plaît. Je refuse. Comment je fais maintenant? Je suis désolée du fait qu'on vous a caché cette vérité jusqu'à aujourd'hui. Désolée. On se sent vraiment mal du fait qu'on n'a jamais eu le courage de vous le dire. Oui, c'est vraiment ça. Attendez une minute. Père, vous dites que Natacha ici est ma sœur? Oui, ta sœur. Et j'avais... Quoi, Roy? Vas-y, parle-moi. Qu'est-ce que tu as fait? T'as fait quoi? Mais... Non. Non, oublions cela. Je veux dire, que s'est-il passé quand nous sommes nés? Que s'est-il passé? Pardon, faites-moi savoir. On s'était mis d'accord que j'allais prendre... Natacha. Voilà. Et ton père allait moi, te prendre devais, parce qu'on n'avait pas le moyen de prendre soin de vous. C'est ça la vérité. Oui, c'est ça la vérité. Est-ce que ce sont des blagues ou quoi? Je ne comprends pas. Est-ce que ce sont des blagues? Attends, père. Durant toutes ces années, tu m'as privé de ce secret. Comment pourrais-tu? Je veux dire, je ne sais pas. Roy, s'il te plaît.
S'il te plaît, on n'avait pas l'intention de vous faire du mal. Pas du tout. J'étais en train de mourir en silence aussi. C'était dur, mais c'est tout ce qu'on pouvait faire. Mais juste, pardonnez-nous, s'il vous plaît. Acceptez nos excuses. Nous avions nos raisons. On est vraiment désolés. Nous sommes désolés. Je vous en prie, pardonnez-nous. S'il vous plaît, essayez de nous comprendre. Ce n'était pas de notre faute. On était pauvres. On était très pauvres. On n'avait pas le moyen de prendre soin de vous. On ne pouvait pas. S'il vous plaît. Je vous en prie, pardonnez-nous. Ce n'était pas intentionnel. S'il vous plaît. Maman, c'est de ta faute. Oh. Et c'est pareil pour toi, papa. Essayez de vous avez comprendre. Tout détruit. Natacha, calme-toi, ça va. Calme-toi. Je le veux. Je veux dire, tu es... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je ne comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Roy. Père. Vous n'avez tout de même pas... Vous n'avez pas fait... Est-ce que vous l'avez fait, Roy? Non, parle-moi, Roy. Avez-vous fait... Ah oui? Ouais, je... Oui, je... On n'a rien fait. Ah! Merci, Seigneur. Merci. Maman... Je veux dire, pourquoi tu m'as gardé toutes ces choses? Comment? Je... Allô, chérie? Nous allons parfaitement bien. Oui. Oh, notre fille va très bien. C'est bon alors. Qu'en est-il de Roy? J'espère que tu prends très bien soin de lui. Ok, c'est bon. D'accord. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, mon bébé. Maman, tu es au téléphone? Oh oui. C'était qui? C'était Tega. Tega. Il a demandé après toi. Je pense qu'il va bien. Il va bien. Vous vous réjouissez tous les deux, comme toujours. Ok, maman, je serai dans ma chambre. Je te verrai après. Ok. Je t'aime, tu sais ça. Je t'aime aussi, ma fille. Bye. Maman, quelqu'un t'a écrit. Maman, je vois le mieux. Viens répondre, s'il te plaît. Oui, chérie. C'est de qui? Ça provient d'un certain monsieur Tega. Tu ne connais plus mon ami Tega? Ah, je voulais. Rends-moi ce téléphone. Donne-le. Mon Roy? Est à l'hôpital? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je dois faire?
désolée, je suis désolée. Tu m'as menti, maman. Je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire ça, maman. Désolée. Chérie, j'ai cherché les bons moments pour te les dire. Mais c'est dingue. Tout ceci est dingue. C'est vraiment dingue. Vous l'avez gardé trop longtemps. Je veux dire, si ce n'est pas à cause d'Okoro, j'allais violer. J'allais coucher avec ma propre sœur. Je suis désolé pour ça, mon fils. Désolé. Ça ira, mon ange. Ça ira. D'accord. Dieu merci, vous ne l'avez pas fait. On aurait dû vous le dire depuis longtemps. Tout ceci n'allait pas arriver. S'il vous plaît. Je vous en prie, pardonnez-nous. Ma belle. Pardon. Je vous en prie, pardonnez-nous. On est désolé. Désolé, chérie, je t'en prie. Pardonnez-nous, je vous en prie. Pitié. Désolé. Je suis désolée, maman, de ne pas penser à tout ça. Maintenant, j'ai très honte. Je suis désolée, maman. Je suis très désolée. Nous sommes désolés. Nous sommes aussi désolés. Nous sommes désolés. Roy, je voudrais te dire que tu dois comprendre papa, ok? En fait, désolé, c'est que je suis hors de moi-même. Je n'arrive pas à me contrôler. C'est tout, sinon... Merci. Merci les enfants. Merci. Je t'en prie. C'est si dur. Oui. Je sais que ça doit être dur. C'est dur pour nous aussi. C'est aussi dur pour nous. Je suis très content qu'aujourd'hui nous ayons la possibilité de vous dire toute la vérité. Oui, sérieux. Ça fait très mal. J'avais mal au cœur. Très mal pour vous avoir caché ça. Mais vous auriez dû être là pour voir comment nous avons souffert. Nous n'avions aucun emploi et aucune source de revenus. Mes enfants, vous savez que c'est très embarrassant pour un homme de n'avoir aucun abri. Je n'avais rien. Je n'avais pas d'argent. Je ne pouvais plus prendre soin de votre mère. Et vous savez, j'ai... Je t'aime, papa. Bien. Je ne vous ai jamais oublié, même pas un jour. Et c'est pour cela que j'ai travaillé dur. J'ai bossé dur avec votre mère. Mes enfants, mon cœur était vraiment souffrant. Il a souffert en silence. Alors nous avons mis fin à ça. Et nous vous aimons tous les deux tellement. Et nous avons travaillé dur. Ce n'était pas facile, mais nous avons réussi. Et nous avons pris à chacun un enfant pour mieux se battre. Nous nous sommes battus et nous avons réussi, n'est-ce pas? Mon fils, j'ai souffert. J'ai vraiment souffert. Éventuellement, quand Dieu décide de récompenser tes efforts, c'est alors que j'ai construit cette maison juste pour vous. Je l'ai construite uniquement pour vous seulement. Ça va, papa. Comme les résultats de la bataille des années. Et j'espère juste que vous trouverez une place du fond de votre cœur pour nous pardonner. Oui? Pardonnez-nous. Ça va. Nous pouvons commencer un nouveau début, n'est-ce pas? Ça va, papa.
Merci. Je pense que nous pouvons avoir un nouveau début maintenant. Oui. Papa, maman, je serai dans ma chambre. Oui, oui, chérie. Okoro, comment tu vas? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Je suis là pour te dire merci. Je suis sûre que tu ne comprends pas ça. Mais tu sais quoi? Merci beaucoup. Tu es si pour dire désolé pour tout ce que j'ai fait. Ce n'est pas toi qui as dit dans cette maison où je suis. Okoro, tu es un vaurien. Okoro n'a pas d'avenir. Okoro, tu es ci, Okoro, tu es ça. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que je suis devenu important pour toi? Tu penses que je ne me rappelle plus? C'est ce que tu penses? Okoro, tu n'es pas inutile. En fait, tu es vraiment le meilleur. Tu es surpris d'entendre ça, c'est ça? Pardon. Je veux te supplier au nom de Dieu. Avec Dieu, je veux te supplier. Si tu sais que c'est pour me punir, n'essaie pas de me flatter. Juste dis-moi que Okoro va t'agenouiller à l'intérieur. Okoro va embrasser le transformateur. Okoro va embrasser le réfrigérateur. Okoro va embrasser le groupe électrogène. Alors, j'irai me punir moi-même pour toi. C'est pas que tu veux me punir, mais tu es ici pour faire tes manières en train de me flatter. Punis-moi vite. C'est ton ambition, c'est ton loisir. Vas-y, vite! Ne viens pas ici pour me laver le cerveau. Tu vas bien maintenant? Tu as fini? Ok, je peux te serrer dans mes bras. T'embrasser? Je te supplie au nom de Dieu. Écoute, si tu veux me virer, laisse-moi te dire le mot le plus vite de le faire. Juste appelle-moi. Dis que nous sommes fatigués du travail que tu fais pour nous. Ne cherche pas à me virer pour une cause inappropriée. Okoro a été viré après avoir embrassé. Okoro a été viré en essayant d'embrasser la fille du patron par force. Je te supplie au nom de Dieu. Hein? Embrasser qui? S'il te plaît, n'essaie pas de me piéger. Si tu veux me virer, vire-moi. Ok, je peux te serrer maintenant. Viens là, C'est une tentation. C'est risqué d'embrasser. C'est une tentation. Merci. Tu vas. J'ai dit ça. Si tu veux me virer, pourquoi ne pas me virer? Est-ce qu'il faut me piéger? Pourquoi me piéger? Oh gars, salut. Arrête ça. Okoro, j'ai appris tout ce que tu as fait. Je suis juste venu pour te montrer mon appréciation. Je suis juste venu te remercier pour tout ce que tu as fait. Ok? Pour avoir conseillé mes enfants et les empêcher à commettre un terrible acte. Pour te montrer notre appréciation. Tout ce dont tu as besoin, juste dis-le, cite-le et tu l'auras. Quoi que ce soit. N'importe quelle chose. Oh gars, cette phrase est dangereuse. Oh. Quoi que ce soit. Aussi longtemps que tu ne vas pas choisir ma femme. Ok. Bien. Quoi que ce soit, c'est ce qu'il y avait. C'est ça.